comme dirait notre fameux Bob Lennon. Ah, je vous ai quitté la dernière fois parce que j'étais dans ma maison. On avait récupéré une petite ferme pour la modique somme de 7500 pièces d'or. Ah là là. On était là avec une guerre, tranquille. Ah, la petite maison. Bon, alors. Ce que j'avais prévu. Parce que là, j'ai récupéré pas mal de choses. Sans les sorcières. Et ben, je pense qu'on va faire la quête des compagnons pour continuer l'aventure. Viens avec moi, Edgar. On va découvrir ce qui se passe dehors. On va reprendre là où on en était. J'avais récupéré une petite maison, une petite ferme. Donc, ma petite ferme que j'ai récupérée. 7500 pièces d'or. Ça valait le coup parce qu'il y a une tonne d'équipements qui vaut largement ce prix-là. Dehors, nous avons une petite forge. Nous avons de l'établissement et tout ça. Donc, ça, c'est nickel. Hein. Nickel, nickel. Alors, donc l'idée c'était que je voulais continuer ma quête des compagnons, ou alors je voulais faire peut-être une autre quête que j'ai vue, que je n'avais pas encore fait, c'est celle-ci. La guerrière d'Endraheim. Ouais, je pense qu'on va faire celle. On va commencer par la petite quête d'Endraheim. Hop, bah, où est mon arme? Où est mon arme? Gravel. Elle est là. La petite épée runique que j'ai forgée. Et on va la recharger parce que là j'ai plus de puissance là-dedans. De l'ordinaire. Oh! Bah. Mais bienvenue à toi, Electro. Je vais vous faire un abonnement. Je sais pas si c'est ce que tu voulais faire, mais t'as offert un abonnement à quelqu'un d'autre, en fait. Je pense pas que c'est ce que tu voulais faire au départ. Je pense que t'as offert un abonnement, mais il fallait pas offrir un abonnement. Bon. On en était où? Endraheim. C'est par là. On va se téléporter au monument. D'accord. En tout cas, merci hein, d'avoir offert un abonnement à quelqu'un. En tout cas, ça fait plaisir. Ça permet d'augmenter ma communauté au maximum. Pour moi, tout est bon. On va continuer les aventures. Aïe! Je devais continuer ma quête. Oh, vous les voyez les loups là? J'ai passé une excellente mauvaise journée. Un de moins. Toi, tu vas prendre pour tous les autres. Oh, la violence. La violence offerte. Donc, nous devions aller. C'est par là, Endraheim. On va continuer la quête, c'était par là qu'on devait aller. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas le chat dans mon overlay. Enfin, dans mon overlay in-game. Le gros avantage de Twitch Studio. Bon, après, moi je suis pour l'instant sur Twitch Studio, je suis pas sur Streamlabs, OBS, je verrai ça un peu plus tard. Le gros avantage de Twitch Studio, c'est qu'on peut avoir un overlay où on peut regarder le nombre de spectateurs, on peut voir si on est en live, on peut voir plein de choses en fait sur ça. Et ça permet de suivre un petit peu où on en est sur tout ça. J'ai un spec. Qu'est-ce que c'est que ça?
un ennemi là qui me regarde. Tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Ah viens! Viens, 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 viens. C'est tout? C'est tout? Eh ben, je crois qu'il est mort, il a pris une flèche dans le genou. Aïe, 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 aïe. Ça commence bien, ça commence bien. Oh, autant d'ennemis? On va aller leur dire bonjour. Allez, et demain. L'épée est devenue trop puissante. Allez, au suivant. Allez, approchez, approchez, approchez. Oh là là, le mise à bord. Pas pareil. Oh. Oh, le coup de bouclier, magnifique. Magnifique. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que nous avons par ici? Oh, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je vais venir te voir, je vais venir te voir. Moi, je peux pas monter comme ça. Bon. Faire le tour. Hop. Hop, 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 hop. Allez. Ça te dit un coup de rasage? Allez. Facile. Suivant. Qui es-tu? Avec ta tête de reine là. Avec ta tête de reine. Oh, allez. Cette épée est devenue beaucoup trop puissante. Beaucoup, beaucoup trop puissante. Bon. Bah, ça c'est fait. Il n'y a plus d'ennemis. Bon, bah, il n'y a plus d'ennemis. Tentative. Hop là. Tentative. Ouais, la tentative, c'est bon. On va redescendre tranquillement. Hop. 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 Et... Ok, ok, ok. Normalement, je dois avoir une quête par ici. Quête par ici, qu'est-ce que c'est qu'ici? Maison gigantesque, une maison de nordique, maison de viking, maison longue. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh. Oh, ça m'intéresse. Oh, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour, toi. J'ai reçu ta lettre. Je comprends. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit que j'avais reçu ta lettre, c'est tout? Battez-vous bien, ou mourrez. Quoi? Vous n'aurez jamais dû venir ici. Why? Ah, c'est un combat à mort en fait. Ok. Ah, d'accord, on va jouer comme ça. Viens ma grande, viens. Elle est balèze quand même la viking. Sauf que je vais sortir mon arme secrète. Ah, bienvenue Xelox, Xelox. Ok, Xelox, Xelox, Xelox. Pas mal le nom. Pas mal. Alors le follower. Vas-y, 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 viens, 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 viens. Viens, allez. Allez, qu'est-ce que tu me fais, là? Qu'est-ce que tu fais, Amanda? Oh, tac. Allez. 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 Ah bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je viens de voir ton petit message. Franchement, je te dois une reconnaissance éternelle. Et franchement, ça fait plaisir. Ouh, sympa. Épée nordique de flamme. Je prends.
Je prends. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc j'ai récupéré une maison, j'ai l'impression. Entrée. Rendra aim. J'ai reçu une lettre concernant une maison. J'ai vaincu sa propriétaire en duel et récupéré de la clé de la maison. Enfin, t'imagines en fait, tu. T'arrives en fait à côté d'une magnifique villa et tout. Et en fait, t'as juste à foutre la branlée au propriétaire pour récupérer la maison. Ah bah. Clairement, ce serait bien. On gagnerait du temps. Ah, merci. Ah, faut rien lâcher. Ouais, bah, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Oh, la baraque! Oh, la baraque, putain! Oh, putain, mais elle est géniale, cette baraque! Mais c'est un truc de fou! Mais non! Ah non, j'ai récupéré une autre baraque! Oh, c'est terrible! Qu'est-ce que c'est que ça se passe? J'aime. Mais putain, non, c'est pas vrai! Ah, j'ai récupéré une nouvelle baraque, je suis trop content. Oh, terrible! Avec la petite salle et tout, le banquet. Bah, en fait, j'ai perdu 7500 pièces d'or pour rien alors que j'avais une baraque gratos. qu'est-ce qu'on a comme arme ici? Oh! Pièce de PA brisée, vitrine. Ok. Bourse. Qu'est-ce que c'est là? Forge, marteau et un pion. Barenzia, ok. Faut que t'arrêtes de me regarder comme ça parce qu'on va on va s'éclipser dans une chambre, toi et moi, et. super. Putain, la baraque de bourgeois, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? On a une espèce de petit bureau et tout. La chambre des gosses. Ah putain, mais c'est trop d'enfer. Trop d'enfer. Franchement, c'est bien. On a là. C'est pas quelqu'un là. Avant d'être tué. Ouais, coffre fort, j'ai des bourses. Je vais les laisser là parce que c'est pas mal, des petites bourses comme ça. Oh, terrible, une arche d'armes nordique. Oh, terrible. Là, il y a quoi? Tiens, voilà, idiot. Ça. Chouette, là, j'ai une armoire pour me changer si je me mets à poil. J'ai ma armoire. Vêtements de tenancier, ouais, si je veux t'habiller en tenancière, toi. C'est bien, ça. C'est bien. J'ai une nouvelle baraque, je suis content. Franchement, c'est bien. Petite porte. Oh, mais c'est terrible, ici. Terrible. J'ai récupéré une maison, mais ça va être monstrueux. Et puis, je la kiffe beaucoup plus, en fait. Elle est beaucoup mieux placée. Et garde, reste pas là, s'il te plaît. Bon, bah, j'ai récupéré une magnifique baraque. Super. Bon, solution de santé, potion de soin, machin, ça c'est bien. Ouais. Okay. Que faites-vous? Il y a bien des réponses à cette question. Ah, super. En plus, j'ai tout le matos aussi derrière. Où est-ce qu'il y a Isolda? Par contre, la question, c'est que j'ai une femme, mais je sais pas où elle est rangée. Où est-ce qu'elle est rangée? Terrible. Ok. On va faire l'autre quête, hein, du coup. On va aller voir Sorin Durar. Un ours. Vas-y, ramène-toi. Vas-y, mon gros. Vas-y, envoie-moi du rêve. Allez. Alors. Allez, son âme est capturée. Au suivant. Une espèce de petite ferme là-bas. Alors. Oh! Alors, la question c'est, je le tente ou je le tente pas le saut? C'est vachement haut quand même. Allez, on la décode. Une sauvegarde rapide. Poum.
Je crois que j'en ai fait trop. Bon, allez, ça suffit. On retourne bosser un petit peu. Technologie ancienne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner voir Sorin machin là. Je crois qu'elle est à la garde de l'aube. Ouais, aller au fort de la garde de l'aube. Je fais un petit check-up. Petit check-up, je vérifie juste un point. Retour bientôt. Hop. Avec, je vérifie. Ok. C'est ok. Ok, tout est bon. C'est bon, tout est bon. C'est chaud. Et ça, c'est ok. Ça, c'est good. Voilà, retour sur Skyrim. Ah, j'ai pas changé mode de jeu. Ah. Ah. Mode de jeu. Voilà. Passer sur Sky. Voilà, Skyrim. Et je réactive mon overlay. Alors. C'est prêt, voilà la mode détente. Alors, Soraya, les casques de la garde de l'aube et tout. Si vous voulez que je vienne avec vous, je préférerais que personne ne nous accompagne. Oh, toi, t'as envie de moi. C'est sûr, ça n'a rien d'un palais, mais c'est solide, sûr et largement défendable. Je préfère me trouver ici qu'ailleurs en bord de ciel. Si Isran a besoin de moi, c'est que la situation doit être grave. Je me demande contre quoi nous luttons ici. Tiens, je ramène ton plan. Aussi efficace. Je vois. Ils sont malins. Je me demande souvent à quoi ressemblerait le monde si les Dwemers étaient toujours là. Enfin, à nous de nous débrouiller. Tenez, laissez-moi vous montrer comment on fait. Si vous savez forger des armes, vous devriez pouvoir vous en fabriquer sans aide à la forge de Gunmar. Quoi qu'il en soit, j'en vendrai bientôt. J'en vendrai bientôt. Je peux vous montrer comment faire. Adressez-vous à Gunmar si vous avez besoin de matériaux. Ok. Je peux essayer. Tu peux m'apprendre à faire l'archerie. Ok. On va continuer par là. Ah! Récupérer ses trolls en armure. C'est bien. Les potions. L'arbalète qui est là. Les carreaux d'acier. Ça, c'est utile. Ah, ma forge est là. Elle est présente. Alors. Ah, je peux frapper. Je peux fabriquer des carreaux maintenant. Ça, c'est bien. Je peux fabriquer des carreaux tellement épiques. Terrible, 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 terrible. Alors, qu'est-ce que je peux faire en termes de dommages? Verre, glace, graphique. Ah, mais les stylés aussi comme les PV. Il me faut de l'or.
passer mon arbalète. Ah, ça, ça me tente aussi à tenter. Oh, Elven Gutring. Il y a les armes maintenant que je peux forger, elles sont terribles. Ouscarb. Ouh. Ouh. Ça, c'est intéressant. Une arbalète nordique améliorée. Espadon. Espadon. Ouais, franchement, ça peut être intéressant. C'est un magot de vif argent, deux lingots d'acier et trois. Bon, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que je peux faire, Hutt? Toi, tu me sers vraiment de sac à dos. Allez, suis-moi. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais comme quête à rendre qui pouvait être intéressante? Marchand disparaît. Examiner la poste du traître. S'en fout. Des œufs pour le corbeau, on s'en fout. La tribu maudite, ça, on s'en fout. Même les idées de la quête principale, on le fera pas tout de suite. Dieu nordique, un moment de besoin, libérer Scritch de saccage. Qui c'est que je veux aller défoncer là pour l'instant? Pardon, Edgerne. Ça, c'est pour récupérer la voleur. Ah, je pense qu'on va faire ça. Alors, des os pour le corbeau, ça peut être intéressant, la pointe d'Arc-Vent. C'est une nouvelle quête en fait de la version anniversaire. La dernière fois que j'ai été les voir, j'ai affronté une arfreuse. Pas beaucoup joli, mais on va s'occuper de ça. Alors, j'en étais où? Carte. C'est là, c'est ici. Donc on va s'arrêter juste à Forivar. Récupérer de la bouffe et tout ça. J'ai pas activé le mode survie de la version anniversaire parce que franchement j'ai trouvé que c'était vraiment un niveau de difficulté vachement haut. C'est vachement réaliste, hein, c'est vachement roleplay. Mais ça rajoute une difficulté vraiment très très complexe entre tout ce qui est magie, tout ce qui est combat. Moi je suis déjà en mode normal voire difficile. Par contre, j'ai découvert un truc, c'est que maintenant, chose d'une chose que je ne sais pas si vous le savez, mais pour affronter des géants, c'est-à-dire même à niveau moyen, c'est-à-dire là moi je suis quoi, je suis niveau 30 ou un truc comme ça. Ouais, je suis niveau 30, tout poil. Pour affronter des géants niveau 20, par exemple, vous équipez d'un bon bouclier en termes d'armure, vous l'attendez, et à chaque fois qu'il lève sa marche, poum, allez, on n'en parle plus. Ouh, un ours. Allez. Allez. Ouh, j'ai vu l'intérieur de son crâne. Voilà. Hop, le cerf. Voilà. Et ben on est pas mal. Ah oui. Oui, il y avait un autre détail. Après, je sais pas où est ma monture. J'avais récupéré une monture dans une vidéo. C'était un cerf. Un cerf en montée. Ah, mais c'est terrible. Terrible. Par contre, je sais pas du tout où il est. C'est pas la question. Oh, peut-être qu'il est à Blancherie ou un truc comme ça. Salut les gardes. Je vais avoir des soucis si je reste près d'eux. Ça risque de partir en cacahuète encore. Bon, allez. On va aller par là. Faudrait que je change le pack de musique, ça peut être aussi intéressant. Hop, prix nectar. Ça c'est un affrontement d'ours. Enfin, ça plus tard, je vais finir quand même la tête. La quête avec Arc-Vent, ça peut être intéressant. Bon, on va essayer de tenir les promesses. Ça, faut que j'arrête le 1er janvier.
gros défi en perspective, encore plus important que Skyrim en légendaire, mais ça peut valoir le coup, ça peut être intéressant. Serre est mort ici. Et je pense savoir le coupable. Je pense savoir le coupable, il est ici. Oh, tu vas pas. Allez, Winnie. Oh, Winnie est mort. Winnie est mort. Terrible. Terrible. Ah, franchement, et depuis que j'ai découvert que le bouclier te permet de parer même des attaques de géants qui te one-shot habituellement, franchement, c'est terrible. Efficace. Allez, suivant. Allez, le loup, il est mort. Suivant. Cadavre de la chimiste, qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Ça me servira pour les flèches. Comme si. Allez, nouvelles flèches améliorées. On a ici celle de feu, journal de la chimiste. Hors de la cabane, j'ai trouvé l'air au milieu de la journée très bien pour ça. Ok. Note sur le lapin apprivoisé. Donnez une carotte à charbon. Donnez une carotte à charbon. T'en fous. Il garde tout ça. Merci. Alors, ma quête, elle est par là, mais il faut que je monte. C'est-à-dire que je dois faire le tour de la montagne comme ça. Ouais. Je vais essayer d'aller récupérer mon cerf à blancherie quand même, parce que ça se trouve, il est à blancherie, mais m'attend. Comme ça, ça me permettra de monter directement. Parce que la physique, elle est moyenne en fait, des fois. Hop, on sort dedans, en direction bord de ciel. Oh, l'armure draconique est pas moche quand même. L'armure draconique est pas moche, mais pourrait être améliorée encore, je pense. Peut-être dans les nouvelles. Ah, j'ai hâte de débloquer le forgeage niveau 100, voir. Intéressant. Qu'est-ce que nous avons ici? J'ai mon cerf qui est pas loin. Je sais pas où est mon cerf. Je vais le récupérer quelque part, mais je sais pas où. On va prendre mon cheval. J'ai un cheval, j'ai deux maisons, j'ai un cerf. Il faudrait qu'elle monte à cheval et aussi une garde. Terrible. Un cheval pour mon follower, ce serait terrible. Bon, je vais peut-être regarder, il est peut-être la deuxième maison. Peut-être que j'ai payé un bras là, pour rien en fait finalement. Hop, petit saut. Le petit saut fait que la physique. Ferme ici. Garde qui surveille la ferme. Oh, ça c'est un cerf normal. Je sais pas où est mon cerf. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, votre maître peut pas venir me voir. Vous gagnerez pas. Wow, 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 wow. Why? Why? Ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu du tout.
Ah là là, c'était pas prévu du tout. Ah putain. Maintenant, ça va être prévu, hein. Trois adeptes à tuer, un dragon, et on n'en parle plus. Allez, les adeptes, montrez-moi ce que vous savez faire. Allez, une bombe encore. Il va tuer sa copine. Ouais. Prépare l'arrivée, tu vas voir. Allez, au suivant. Dragon est là. Un dragon de sang. Allez, je suis prêt pour toi, ma biche. Viens là. Viens me voir. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Oh, t'es plus puissant que les autres, toi. Plus puissant que les autres. Allez, 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 le dragon, allez, pou. Allez, allez. Et voilà, il est mort. La mort par décapitation. Ah, ce serait terrible qu'on puisse décapiter un dragon comme ça. Pouah. Bon. Et bah, ce combat fut épique. Battlefield de Suron. Je suis presque surchargé. Faudrait que Midgard me serve de sac. Fouiller. Sac d'acier, Master Depth. Pas intéressant. Pas d'intéressant tout à fait. J'ai un cheval ici. Ah, par contre, le nouveau mode avec les armures, il les garde pas les armures. C'est ça qui est chiant. Je devais revenir là. En fait, je pense que je dois monter par là. Redescendre comme ça. On va faire ça. De combat peut être modifié à tout moment. Pas mal de difficultés pour le stade. Voilà. Si je comprends bien. Non, je pense pas que je peux monter par là. On va essayer. Sur la route, voir. Ça se trouve, on peut. Ou des Talmor. Ou des Talmor. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous allez où là? Ah, c'est trop tentant. C'est trop tentant. Ce ne sont pas vos affaires. Ah oui, ce sont pas mes affaires. Allez. Ouais, tu es le sorcier. Tuer le sorcier. Voilà, ça. Ils ont plus de renfort magique. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, ça me tente quand même de leur poutrer la gueule. J'ai pas vraiment d'arme qui peut être intéressante. 39. 39 plus 10, ça fait 49.
Discrétion. On va voir. Voyons voir si tu sais survivre à ça maintenant. Allez. On va résoudre ça. Bien. Allez. Une de moins. Une de moins. Allez. Oh, il est costaud, lui. Il est costaud, il est costaud. Ce qu'on va faire... ce qu'on va faire... On va mettre déjà... voir, qu'est-ce que j'ai. J'ai un cri... Je vais mettre... un corps éthéré. Là, je vais pouvoir me soigner un peu plus loin, me mettre à couvert. Allez, je suis bien de pouvoir libérer ça. Voilà, le combat va être un peu plus réglo. Abed, pied. Allez, viens, mon grand. Pas si je te bats. Allez. Un de moins. Plus que le dernier. Vas-y, le garde. Vas-y, le garde, défonce-le. Je m'en occupe. Ah, c'était trop tentant de tuer ces hauts elfes qui se baladaient innocemment. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient rien. Ils avaient rien de spécial. Ah, c'est dommage, je suis déçu. Je suis déçu, j'avais prévu... Ouais. Ouais, j'avais prévu autre chose, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Ça va m'amener quand même quelque part. Ah, ici. Je vais par là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pourrais peut-être passer par la montagne, mais après. De la découverte pour l'instant. On est pas aussi, t'es qui toi? Eh ma grande, t'es qui? Ouais, un cheval comme ça. Undaimer. Undaimar. Ouais. Ça va pas résoudre mon souci que je dois aller autre part. Ça plus tard. Ouais, mon cheval. J'espère qu'ils m'ont pas tué parce que sinon ça me ferait chier. Ferme. Alors, bah mon cheval est en bas. Nickel, comme ça je vais pouvoir essayer de monter. Je pourrais monter là, tiens, justement. Bon, attends, c'est... on va tenter. Allez. Avantage de forçage de la physique. Oh, la physique de ce jeu, c'est terrible. On peut passer n'importe où, limite, tant que t'as un cheval. Allez. 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 C'est pas par là. Attends un peu. Par là. Catacop, 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 allez. Allez. Par là. Vous pouvez pas aller par là. Ah, dommage. Aller par là. Ah, c'est dommage, ça aurait pu être marrant. Est-ce que je pourrais pas monter là? Ah, la physique de jeu, c'est n'importe quoi.
Allez, 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 vas-y, monte, monte, monte. Bon, on va redescendre. C'est par là que je peux aller. Ah non, non. On va tenter par un autre coin. Descendre de la montagne à cheval. Descendre de la montagne à cheval. Il descend de la montagne, il descend de la montagne, il descend de la montagne à cheval. Terrible. La guerre du jeu. Alors, on a l'espèce de petite cabane là. Je peux pas monter parce que c'est peut-être un peu trop abrupt pour mon cheval. Oh, par contre, je me suis collé une prime de 4000, j'espère que ça a tué tout le monde. Le fait que je les ai tués sans pitié, est-ce que ça m'a laissé la prime là? Ah, c'est là la question, est-ce que ça laisse la prime quand on tue innocemment des personnes traînées par là en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un camp romain là. Ouais. Ouais, ouais. Vas-y, martel. Martel, martel. Alors, est-ce que je peux passer par ici? Ben, je pense que c'est par là. Ouh, le petit retour là. Ouh! Ça faisait peur. Allez. Je vais être par là. Jusque... Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Par le tour sinon. Normalement. Il y a le petit renard. Ouais, on arrive, c'est bon. On arrive à la quête. Et j'ai vu qu'en fait, on pouvait récupérer Umbra. Ça y est, on peut la récupérer, Umbra. Fameuse quête d'Umbra. Qu'est-ce que tu es, toi? Sauvegarde rapide. C'est quoi comme monstre? Dragon? Ouais. Dragon simple? Vas-y, ramène-toi. Ramène-toi, mon grand. Viens me voir. Bon. Il est en train d'affronter des dragons. Enfin, il a dû sortir de là, du cairn, là. Ah, il y aura des coups. Ouh! Seigneur drogue. Oh, putain, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur ça. Vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Oh putain. Ah bah c'était sûr. Eh bah j'ai bien fait de faire ma sauvegarde rapide. On va peut-être s'occuper des dragons d'abord. À moins qu'il s'occupe de moi d'abord. Vas-y, ramène-toi. Ramène-toi, mon grand. À la tour là. On va monter, ça se trouve, c'est juste la tour à monter là. Je cherche. Ça m'a l'air d'être ça, c'est l'espèce de petite tour là. Allez.
fera peut-être du dragon plus tard. Sauvegarde. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu vas t'affronter, ma grande? Wow, t'es tout aussi... Allez. Wow, aïe, l'armée, elle fait super mal. Solution de santé, oui. Guérisseur et les armes de main. On a raté, tant mieux. C'est bien. Allez. Non, non, ton corps, non. Il y a des drogues partout. Absorbe l'aura. Il a lui. Arc, Falmer, armure et tout ça. Je vais prendre ça. Je me soigne. Ouais, je vais... prendre Graved. J'arrive à tuer le drogue. J'arrive à récupérer l'autre. Le corps est pas loin normalement. Elle est tombée où elle? Ah, elle est tombée où? J'espère qu'elle est pas tombée trop basse. Elle est juste appuyée. Ouh, tyran. Tyran drogue, qu'est-ce que tu es toi? Ah bah voilà. On va essayer de te tuer, toi. Ça tombe bien que t'es là. Nickel, il est coincé, mais le truc c'est que si j'y vais, je risque de me coincer aussi. Beaucoup trop balèze pour moi. Bon, autant de l'affaiblir comme ça, hein. Ça augmente mon archerie en plus. Voilà. Alors, tyran drogue. Oh, phénix, ninjato. Orbe croc. Orbe de parjure, fléau de tyran. Je vais prendre le bateau si on sait jamais. Hop. Par contre, là, ça va être pour sortir maintenant d'ici. Moi, je peux peut-être partir finalement. Ah non, je suis en surcharge, donc ça va pas lui plaire.
Qu'est-ce que j'ai qui serait trop lourd? Il me servirait pas surtout. Qu'est-ce que j'ai comme matos qui me servira pas? Si des trucs toi qui servent à rien, qui serait lourd en termes de poids. Théo du tyran 15. Royal crossbow. Le sauce, ça me sert à rien. Bon, ça je peux le baisser. Je vois une potion 2. Voilà, je peux me déplacer. Ah, il y a des ennemis à proximité. Du coup, là, je suis coincé. À moins que... Oh, je vais coincer encore plus. Ah, j'ai été gourmand, là, quand même. Faut pas attendre. Allez. Allez, je peux peut-être monter. Trichant un peu avec la physique du jeu. Ah, ça monte comme ça. Pas de beaucoup. Je peux me téléporter. Si je peux attendre, je peux me téléporter, logiquement. Voilà. Putain, je m'en suis sorti. C'est de la triche. Et ça marche. On va fouiller la tour. On ira fouiller la tour justement. Je m'en suis plutôt bien sorti hein, quand même. J'ai une espèce de coin là. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ruine de plate. Oh, on va s'occuper de. Oh! On meurt. Je vais recharger Graved. Allez, suivant. Activé toi? Non. J'ai pas l'objet qu'il me faut. Les adeptes aussi qui sont là. Allez, au suivant. Patron d'Atronach, non. Ah, t'as pas grand chose maintenant, non.
je revienne à la tour. Pas tuer le Spinodon. Allez, I'm King Turing. La tour, à mon avis, du dragon. Ah bah tiens, il est en haut. Il est en haut, le dragon. Il dort là-haut, lui. Non. Ah non, flèche orc. Je vais faire flèche d'acier. 10. Ah, il m'a pas repéré. Tour de tonnerre. Vas-y, mon grand. Viens là. Viens me voir. C'est nickel. Allez, viens me voir. Allez, allez, allez. Terrible. Je suis devenu trop puissant. Ah, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vas me porter mon matos. C'est trop lourd. Voilà. On va aller voir cette petite tour. De forgeron, ok. J'ai quelque chose ici. Dernière danse. Et mon temps parcouru son corps et pleuré. Non, non. Casse des fourrures, on s'en fout. Non, des casques et des armures. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est bugué ce saut. Que c'est ça, chez un, elle est divin. Je la fatiguer. Nièvre. Genièvre. Un petit mot de dragon, ça peut être intéressant. Carte de lune, pierre de Varla imparfaite. Ouais. Alors sur l'anatomie, pardon, ça c'est les bols de vampire, le squelette. On va voir ce que je peux récupérer ici. Allez, donne-moi un bon mot. Un bon mot. Souffrir, marque mortelle. Ouh. Ah voilà, très bien ça, très très bien. Bon. Allez, on tente la descente, raccourci. Ah j'aime bien quand ça se passe comme ça. Le truc c'est que je m'éloigne de plus en plus quoi, à moins que. Ah, je peux peut-être tricher. Il y a quoi ici? Long de fer. Bah, c'est pas assez intéressant. Ça a l'air d'être un chemin. Je monte tranquillement par en haut. Ce qui m'intéresse. On est où là?
Il y a un sanctuaire de Talos en haut. Ah bah voilà. On arrive dans une zone qui m'intéresse. Bon. Rogue. Quelque chose qui a dû les tuer ici. Oh, des ours. Des ours polaires même. Ours des neiges. Oh, ils sont costauds. Ils sont costauds. Ils sont costauds, ils sont costauds. Potion de soin. Oh, 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 oh. Pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas corps éthérique s'active? Voilà. Magie. Costaud, mais ça va le faire. J'arrive à survivre, peut-être que Ulgar va arriver aussi pour me sauver la vie. Dans une mare de sang. Je m'enfuis. Allez. On va se le faire, l'ours. Allez, il y en a un qu'on s'est fait. Chaud. Allez. Putain, c'était dur. Là, c'était vraiment dur. Ok, elle arrive après la bataille. Elle est arrivée après la bataille, quand j'avais le plus besoin d'elle, elle n'est pas là par contre. Espérons que je tombe pas sur des mauvaises surprises, parce que sinon on n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on a ici? Une espèce de corne. Ouais. Ah, je sais pas comment je peux faire, mais il y a une entrée là. Entrée, je peux passer là. Or ici, lui, nordique. Un collier d'or, un coffre. Tout ça pour ça? Hein? On aurait dû mourir ailleurs. Non, il est mort, mais il y a longtemps, il a été conservé par le froid, mais... Vous voyez ce que je vois là-bas?
Ouais, vous voyez ce que je vois là-bas? C'est les problèmes. C'est un ennemi balèze. J'ai eu. Il se rapproche. Se rapproche. Vas-y, ma grande. Vas-y, défonce-le. Mais il faut que tu te battes un peu, ma grande. Vas-y, ma grande. Faut que tu te battes là. Hache des bonites hein, quand même. Hein. Ça va être le moment. Ce qu'on va faire, on va essayer pendant 60 secondes un brumeux fantôme immortel. Allez, on va essayer. Wow. Eh mais c'est balèze ça! Ça me coûte quasiment pas de magie. C'est bien! Ah bah ça je vais le garder. Conjuration de fortune immortelle. Ok. Level up. Ce sera la forge d'ébonite plus tard, 80. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Armure lourde, pour augmenter ma puissance d'armure lourde. Amortissement, permet de subir la moitié du dégât dans la main. La parade, qu'est-ce que je peux faire? Les flèches qui frappent n'infligent pas de dégâts. Ah. Frappe fixe 5 fois plus de dégâts. Ok. Je pense que je vais améliorer peut-être mon à une main. Position de combat. Je vais améliorer ça. Comme ça mon arme sera plus puissante. Je tape pas encore assez fort. Hein. C'est dire ce qu'il y a, je ne tape pas encore assez fort, c'est voir un peu d'armes maintenant. Oh, 45. 45, ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas de matos. Bon. Pas de matos. Mon fantôme immortel est présent. Il est là, il est chaud. Ils avaient matos. Vous l'avez vu. Le petit dragon qui est là-haut, qui m'attend. Magnifique. Un clarbalète? Non, j'ai pas de... Faut que je forge des carreaux, parce que là, ça va plus. Avec ces flèches que je vais les faire en mal. On va m'équiper de flèches d'acier. Voilà.
Oh, les petits lapins. Les petits lapins avec la lumière. Vas-y, descends au sol, descends au sol. Vachement plus résistant que les autres. C'est un dragon brun, donc. T'es où, ma grande? T'es tiré? Non. Trouve un coin pour se poser. Trouve un coin pour se poser, dragon là. Vas-y, viens, 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 approche-toi. Vas-y, reste sur place. Ah. J'aimerais bien qu'il se cogne contre la montagne. C'est bien, j'augmente mon archerie comme ça. Très bien, continue comme ça. Approche-toi, 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 approche-toi. Viens, viens. Allez, garde. Fais-lui des dégâts, fais-lui des dégâts. Il est costaud ce dragon là. Petit lapin. Vas-y, vas-y, pose-toi. C'est pas ça que je voulais invoquer, mais ça peut être utile. Oh, c'est posé. Allez. Allez. On a bien affaibli, c'est bien. Et je regarde pour invoquer aussi. Allez, 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 allez. Allez, on a tué le dragon. Il y a deux doigts de nous tuer aussi, mais c'est pas grave. Rapide, vite. Putain, on l'a fait. On l'a fait. Ouais, il était balèze celui-là. Allez, garde. Nous sommes arrêtés. Oui. Que se passe-t-il? J'ai besoin que tu portes encore des choses pour moi. Serre-moi le sac encore. Je peux pas porter. Attends. Attends, attends, attends. Voilà. Je peux pas porter au maximum là. Je peux pas porter plus. Ah putain. Je suis coincé. Je suis coincé. Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Ouais, il faudrait que j'échange des choses avec toi. Qu'est-ce que tu peux me porter encore là-dedans? Porter plus. Ça. Là, je vais me charger. Ah, tu peux porter mes bouquins encore.
Par contre, ouais, tiens. Là, t'es blindé de chez Blindax. Va falloir que je fasse des choix, là. Ça. 355. Allons-y. Voilà. C'est quoi, on va s'arrêter juste à la forge, enfin sur la grotte là. Comme ça, je reviendrai, on va vendre tout le matos que t'as. Espérons qu'il n'y a pas d'autres ennemis, parce que sinon ça risque d'être... Showtime. Caverne de Varney. Ok, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ok. On sauvegarde. On va vite faire Blancherie pour me déposer tout le matos parce que sinon on va pas s'en sortir. Hop, on va Blancherie. On a Blancherie vite fait parce que là j'ai du matos mais du malade mental. Petit Palmer. Il me regarde avec des grands yeux verts, lui. Bande. Tout le matos déjà la forgeronne que j'ai un petit peu modé. Vous allez voir, elle ressemble beaucoup mieux. Elle ressemble beaucoup plus à quelque chose. Voilà. Je ne prétends pas être là. Vous voulez vous protéger ? Faire des dégâts. Alors, qu'est-ce que tu peux récupérer? Tu vas récupérer ça déjà. Les pots, je vais m'en garder, je vais m'en servir pour faire du cuir. Voilà. Je vais récupérer tout ton matos, ma grande, et puis on va aller vite fait vendre tout ça. Hey, faites attention. Faites attention. Deux chaudrons d'Arcadia. Enfin, on va continuer l'aventure de là où je me suis arrêté. Vous trouverez ce que vous cherchez, ça ne fait aucun doute. Sinon, demandez-moi. Vous avez l'air pas. Regardez donc. On va vendre tout ça. Là, il garde les pas loin. En plus, je suis toujours là. J'ai changé des trucs avec toi. Putain, j'ai du matos à mort là-dedans. J'ai plusieurs élixirs. Mes potions et ingrédients vous intéressent ? Ah putain, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Beaucoup moins lourd, mais toi aussi. Bon. Ce qu'on va faire, on va faire un truc. Chez Bellator, au marché. Je suis sûr que vous aurez ce qu'il vous faut. Je ne veux pas paraître impoli, mais je suis trop occupé pour vous parler. Et je veux pas te parler. Je veux utiliser le bio. Ah putain. Je verrai ça plus tard. Parce que monsieur a décidé de couper du bois à cette heure-ci. Ah, du lingot d'acier, lingot de vif argent. Faudrait que je me forge un nouveau casque. J'ai des articles de qualité ici. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne. Cet honneur revient à Eorlund des Poisons. Ses armes sont légendaires. Je veux juste qu'on me donne une chance. Ah, j'ai des bonites. Je peux l'améliorer avec le 45. Le marteau. Je peux passer en 52 et Phoenix 40. Ça, ça peut être intéressant.
revends un peu mes merdes. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre qui coûte cher? Ça, 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 je garde, ça, je m'en fous. Et tu n'as pas besoin d'autre chose? Ah, j'ai déjà 5000, là, c'est déjà bien. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Attends. La plupart des gens l'ignorent, mais j'aide faire de nombreuses mains. Je pourrais aller récupérer un peu de matos conjuration. Non, au pied, oui. Allez, on retourne à l'aventure. Umtaima, taverne de Varley. Voilà. Point de l'Arcoban. Ah bah voilà. Je me suis téléporté plus près encore que tout à l'heure, ça c'est bien. Par contre là, qu'est-ce qu'il y a ici? Caverne de Varley accomplie. Bah je suis même pas rentré dans cette caverne. Bon, je vais aller voir quand même. Terre Riel. Pas cet endroit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh! Ouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a ici? On voit pas ça tous les jours. Bah, je te confirme, on voit pas ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on a là? Va un peu. Non, je peux pas faire ça. Pas faire ça alors. Non. Voilà. Pas passer là. Il doit y avoir une astuce. Il doit y avoir une astuce. Passer par ici parce que je connais pas du tout cet endroit. Déjà en fait toute cette zone c'était pas présent il me semble, mais ce mur me. Il doit y avoir une énigme. L'énigme, il y a forcément une solution. Là, on a ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, puis le truc, c'est que je peux pas monter à l'échelle. Réfléchis. Réfléchis. Une espèce de grotte ou un truc comme ça. C'est dormir, c'est de couchage. Dans une heure, tu vois. C'est une porte qui s'ouvre. En face d'un gigantesque mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un passage là-dedans. Il y a l'air d'avoir de passage. Ah, je suis interloqué là, c'est étrange. Il doit y avoir une solution. Il doit y avoir une solution. Avec un sort suffisamment puissant. Non, écarte-toi bien, regarde. Merde. Merde, désolé. Pas l'air d'être efficace. Réfléchissons. Non. Oui.
Pousse Rona peut-être. Avec un pousserau. Réfléchis. C'est quoi cet endroit là? Peut-être qu'il y a une solution avant. Pioche. Peut-être avec une pioche. On va essayer de voir. Solution par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Caverne de Varley. Ah, il y a bien une solution. Regardez, attends. Je suis en train de regarder sur internet, hein, clairement. Là, je vois pas. La verne de Varley, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Tant pis, je peux pas monter. Juste en fait d'un mur, en fait, mais. On verra ça plus tard. Ça, ce serait bon à savoir. Faudra que je m'en renseigne. Espèce de mur, là, mais... Pas étrange. Allez, mode puissance appli, vigueur, fonction de vitalité. Ah, si c'est bien, on va monter la tour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
avec un piège. Des morts comme ça, je sens mal. Il est là, le chat. C'est un espèce de truc. La tour, qu'est-ce qu'il y a une grenade de transmission? Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, et ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a en face là? Chèvre, l'argent s'est inventé, fragment. Oh. Faire du pain, c'est bien. La farine qui est ici. Alors. Oh. Biomoon marchevent. Amulette. La catoche. Ouais. Ouais. Armure d'os de dragon. Botte point dragon de protection. Casque de point dragon de protection. Ah mais j'ai une armure de dragon complète. Ah, c'est bien ça. Une île. Pas mal de Bjorn. Mais putain, mais il a quelque chose de balèze quand même. Ah, les sécuteurs, qu'est-ce que je dois faire ici? Ici, envers de l'endroit. Sympa. On a récupéré une armure de dragon, ma fille. Ah, c'est pas mal. Par contre, là, maintenant, je suis interloqué dans la deuxième caverne, quand même. Ils ont pas placé une caverne avec juste un mur, en fait, en face. Pas intéressant. Il doit y avoir une manière de rentrer. Il doit y avoir une manière de rentrer. Je vais regarder. Regarder, mais ça n'a pas l'air de correspondre. Ah, cette espèce de caverne commence à m'interloquer quand même, parce que là, ils auraient pas posé une caverne pour rien comme ça. Je vais aller là. Quoi ça? Vif argent. Ouh.
Voilà. Sinon, on est épuisé. Okay. Il peut y avoir un truc quand même à faire ici, vers Vienne. Ah, et c'est peut-être plus tard. Mais il faut que j'atteigne le niveau 46 pour ça. C'est pas tout de suite, tout de suite. Alors peut-être dans ce cas-là. Ah, c'est dommage parce que franchement. Ça peut être sympa. Ah, c'est peut-être que. Ouais, je peux pas y encore y accéder. Parce qu'on voit bien qu'il y a une zone là. Qui est pas encore ouverte, moins que. Attends. Moins que cette zone. On peut passer là. Un espèce de truc. Ah, mais c'est vraiment bizarre en fait ce mur là où je peux pas rentrer. J'arrive dans une caverne, il y a un mur. Parce que c'est bon. Peut-être à plus haut niveau. Dans le sac, y a rien. Ouais, bah, y a des pommes. Je pourrais faire de la compote, super. Je pense que c'est une question de level, peut-être. Que là, j'ai pas le level nécessaire pour pouvoir le faire. Je pense qu'on reviendra là, là, vers Rien, hein. Ça se trouve c'est pour récupérer Umbra ou un truc comme ça. C'est quoi ça? Ah vas-y, viens! Viens, alors. Tu m'as retiré tout plaisir. Bon. Alors. Là j'ai bien avancé quand même. Bien avancé. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est pas mal. Voilà, domaine Midor, non. Habillé bord de ciel, non. Marchand disparu, on s'en fout. La tribu maudite. Ça, je peux le faire, des 200. Les gens interdites. Oui, usage de faux. La fin du cauchemar. Non, pas important. La prophétie. Non. Ça, cette quête-là, par contre, elle est buggy, malheureusement. Personne au combat. Trouver une preuve de ce qui est arrivé à Toral. On s'en fout. Et la meilleure luce. Ça, ça va être prendre ça pour noir. Ah, je pense qu'on avance bien quand même. Parce que là, on a fait pas mal de trucs. Dit à Carlotte, informer l'épée, ruine. Et non, c'est sorti sur le garde de falaise. Oui, le chien. Planter. Examiner la dent de Folder. Ça, je l'ai déjà fait, je crois. La restauration possible du Winner. Non. Tu veux le chop. Y'a quoi là? J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait cette quête là. Là il y a quoi? Col de l'érosion, non, non. Refuge de Redoran, non. Est-ce que je me ferais pas
Grotte du trop-plein ou Coven de Gunmori. Je pense qu'on va faire ça. Enfin là. Grotte là. Allez. Soin là. Ma nouvelle maison que j'ai débloquée juste en tapant sur quelqu'un. Elle est quand même magnifique cette maison. J'ai récupéré cette maison, elle est magnifique. Bon. Qu'est-ce que nous avons ici? Les deux sanctuaires. Je vais leur dire bonjour. La route de la vallée perdue. Ah. Je vais tenter quelque chose. Hop, hop, hop. Physique, on s'en fout. Viens voir, regarde. Ouh, plus résistance que je croyais. Allez, au suivant. Suivant, suivant. Je vais vous mettre en... Ouh. Bah viens, reviens. Le courage, c'est pas connu des parjures. Allez, suivant. Suivant. On n'en parle plus, merci. Ouh. Allez, suivant. On est pas mal. On est pas mal. T'es où? Bon. Parjure pour toujours, parjure pour toujours. Viens voir, il vient me dire qu'on fasse ça. Il y a un piège. On va aller les voir, on va leur dire. Allez, viens. Amène-toi. Amène-toi. Oh là 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 là. Violence, violence, violence. Il y en a une normalement qui est en haut. Allez là. Il dit bonjour. Qui c'est qui m'attaque comme ça là? Oh, une petite bourse. Allez, ça c'est pour moi. Oh, toi tu fais mal toi. Grave. J'ai récupéré un sort qu'on va essayer tout de suite. Ah. Ah bah tu sens une présence, bah ça va être ton tour, ça va être ton boulot là. Bon cœur. Bon bah j'ai tué la chèvre. Allez, amène-toi, amène-toi. Pas assez vigueur. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Tant que je m'occupe de ton cas, tu vas voir. Why? Oh. Mais non. Bon. Ah putain, et puis en plus je dois me retaper tout ça. Bon, ça va aller vite. Toi t'es mort. Suivant. Regarde. Pas d'ennemis en face. Lui, je vais le mettre en pièce. Au suivant. Compétence, non, sauvegarde, ouais. Je fais du ronce-coeur. Ça, c'est bien. Ça, ça va me servir. Arc de parangeur. Nul. Aïe. Dommage, c'est que j'ai pas de vigueur des masses.
Utgard, elle est au taquet. Allez, au suivant. On a ici, c'est peut-être le point le plus haut de bord de ciel. Sommet du Barde. Saumon. Ah. Il y a longtemps que personne n'a osé tenter le saut, et plus encore que personne n'a assuré. Un jour, j'ai déclaré la totalité de l'éternité au sommet du Barde avant de rentrer ma chambre. Vous voyez, ça m'a... Eh ben, j'ai tenté le saut. Tu me fais toi. Oh, c'est gentil ça. J'ai tourné la tête, il a disparu. Je viens de voir une flèche passer. D'ailleurs, il y a encore des ennemis. On va s'en occuper rapidement. Il y en a trois. Il y en a. Il y en a. Faut qu'on discute. Oh, on a discuté. Voilà, fin de l'histoire. Hop. Et bah c'est très bien tout ça. C'est pas mal. Hein. Ça. Chèvre. Alors, j'avais dit gorge du... Voilà, c'est ça, gorge du trop-plein. On va aller là. C'était normalement la quête au départ que je voulais faire. Attention, voilà. Lui, il l'a pas aimé. Ou du moins, on l'a pas aimé en tout cas. Allez. Continuer l'aventure. C'est cette grotte là, à mon avis, ça doit être une nouvelle quête. Traverser l'univers série. Je vais aller voir ce qui se passe dedans. C'est une grotte, normalement, ça dure pas trop longtemps. Allez. Hop. Il est mort. Oh, des vampires! Ça fait longtemps que je vous avais pas vus tous les deux. Oh là là. Ça fait longtemps que j'avais pas tué de vampires. Une de crâne. Elle est où elle? Oh, elle est plus costaud elle. Ça suscite un peu de sang. Bah. Oh, elle est plus costaud, elle. Elle est beaucoup plus costaud. Allez. Elle est morte. Elle est morte. Allez. Du trop plein, je vais pas être si loin que ça. C'est cette grotte là. C'est cette grotte là. Mort à Stella. Non, pas être ici encore. Alors, faut que je monte et puis après. Peut-être que je dois faire le tour de la montagne, puis après je monte là-haut.
papa. Alors, rapidos. Vas-y, monte, monte. Faites la physique, faites la physique. Voilà. C'est ça. Alors, mon cheval. Ah, il faudrait mon cheval. Si je me TP. Attends, une heure. Non, il y a des arrives, mais il n'y a pas mon cheval. Un tour comme ça peut-être. Oh donc pouah, pouah. Faudrait que je t'équipe d'une meilleure arme, ma grande. Et là ton arme m'a un peu dépassé maintenant. Espèce de temple. Moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas tout. Ok. Pas tout m'a vérifié. Si loin là, peut-être le troll. Allez, le troll. Ouf. Oui, j'ai compris, mais c'était pas de ma faute. C'est pas moi. C'est le troll. Pas un coup d'épée quand même. Non, non, c'est le troll. Récupérer l'œuf. Je pense que ça doit être légèrement au-dessus là, une espèce de grotte de trop-plein là. Non. Je dois être à côté quoi. Ah puis la physique là. Ah ça si tu peux monter ça. Allez. Ah il faudrait mon cheval. Il faudrait mon cheval peut-être. Allez, allez, allez. Oui, 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 oui. Comment tricher. Ah. Que c'est ça? Ouais, ça. Allez là. Oh. Cheval de mer cassé. Ouh. Ouh, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. On va récupérer un cheval de mer. Par contre, j'ai combien de chevaux du coup? Ça, c'est quoi ici? Oh une affreuse. Ma main grande. On va faire des choses comme ça, ma grande. Oh, je vois le piège là. Piège si je m'approchais justement. Alors cette urne. J'ai un peu de thune quand même, donc on sait jamais. C'est pas dans l'acier. Si un œuf de J. Ok. Bon, c'est tout. Bon, bah, je me suis occupé de la repose. C'est pas si dur. Qu'est-ce que nous avons ici? Juste
mettre un coffre là. On va prendre ce coup. C'est pas ça. Voilà. Je m'en prends, ça sert toujours. Moi, j'avais commencé une quête et puis en fait je me suis retrouvé face à ce parchemin. C'était la difficulté quoi. Le cheval de la mer. Ouais, il doit y avoir du matos. En fait je peux le réparer peut-être le cheval. Là on a quoi? Non plus. Fou. Hop, on va aller voir la grotte du trop-plein. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une clé. Ah. Et c'est une espèce de système OMR. Ça a l'air d'être assez grand quand même. Bien. On est travailleuse. De mer, d'accord. De mercenaire. On va aller voir. Une balistique. Aïe 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 aïe. C'est mal. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? Des rouillés à dettes. Yes. Ça, c'est bien ça. Super de mer. De système de rayon peut-être. Vas-y, Anna. Voilà, au suivant.
y avoir un système. Mais c'est bon. Écoutez. Forcément toujours un système. C'est quoi ça? Il doit y avoir un système de l'autre côté pour faire comme un pont. Là, il y a une porte. Là, il y a un système de protection. Bien. On va. Tiens, il va falloir peut-être que j'arrête, moi je bosse demain. Ouais. Un duel, la baliste. La baliste que j'ai tapée tout à l'heure. C'est de la bouger là. Non. Moi j'étais au-dessus. C'est de par là que je viens. Ah, il y a peut-être un pont pour aller de là à là. Prendre. Là. Pas de levier pour les actionner. Pas de levier pour actionner ces ponts. De regarder. La tête. Je suis passé par là tout à l'heure. Avec une espèce de porte, d'accord. Là. Un système là ou un truc comme ça. Il y a un golem là. Un golem qui m'attend là-haut.
Ah bah voilà. J'ai trouvé. On va aller taper le golem. Vas-y, défonce-le. Défonce-le. Et allez, à terre. Et ben voilà. J'ai trouvé ma solution au grill expert. Ou 2, ça va être dur. Ou 1, ça va être dur. Bon bah le matos sera pas là. On avance. Ils sont là les mercenaires. Allez, et de 1. Ils étaient là, les mercenaires. C'est bien. On va me servir, les gars. Merci. Merci d'avoir été sur mon chemin. Viens ici. Oh non, il vient. Ah, c'est compliqué là. Peut-être avec un Wold. Il va y avoir un autre chemin. Un autre chemin que je peux débloquer peut-être. Tu fais ça peut-être. Genre un secret. Ouais. Allez, allez, allez. Un petit wall peut-être. C'était pas ça. Oh, bien joué. Bien joué, ça c'était bien joué. Très bien joué. Ça aussi c'est bien joué quand il te reste un seul crochet. Très bien. Un petit système qui est là. Comment je peux déverrouiller la plateforme? Un levier? Il n'y a pas de levier, là je suis coincé. Si, il doit y avoir une espèce de levier ou un truc. Bon. Par quelque part, parce que sinon j'espère que je suis pas bloqué. Pas d'espèce de levier là? Non. Non. Continuer l'aventure par là. Oh, ça sent le piège. On va ça alors, un piège.
Ah, des carreaux. C'est bien. Ça, c'est très très bien. Regardez ça. Hop. Porte. Hop, voilà. Il est vide. Il y a un levier là-haut. Là, il y a du matos. Une baliste. Survécu, elle. Ennemis là. Je crois avoir entendu quelque chose. Allez, au suivant. Attendez, un peu costaud de vous quand même, hein. Alors voilà, j'y suis. Rire. Sphère. On a toute manière de réactiver. Et j'en viens de là. Alors on a une épée ici, un arc. Oh. Le sorcier, on n'en parle plus. Le guerrier, on n'en parle plus non plus. T'as quoi sur toi là? Run katana. Armement sous pointe à l'instant. Ça, c'est bien. Pour voir. Wow. De tornade là. Ça, c'est mon centurion. J'ai bien trouvé le matos, il faut que je fasse cette équipe. Commencer saison oubliée. Oh, inspecter les ruines.
qu'est-ce que c'est que ça? Galerie de vin du machin. Ah bah je confirme. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là. Il y aura une nouvelle quête à faire. La couronne Wemer. En portant une étrange des encoches qui sont tous. Il est possible d'y fixer des pièces séparées. Oh. Écoute. On va voir ça. Ça peut être intéressant. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Bon allez, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite en tout cas une excellente, excellente journée à tous. Continuez en fait à suivre, n'hésitez pas à follow s'il y a besoin. Si vous avez un petit abonnement Prime aussi, ça peut toujours faire plaisir aussi. De toute manière, je stream de plus en plus. Bon, après là, il y a un moment où je vais devoir arrêter parce que... Je suis en étude actuellement sur mon poste, je dois l'améliorer sur un détail. Disons que j'ai pas mal de choses à faire. Donc je vais avoir un peu moins de temps pour streamer, mais c'est déjà bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bah écoutez, à très bientôt. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui me suit, de plus en plus de monde qui n'hésite pas, voilà, même le petit follow de tout à l'heure, hein, de Xelox, ça faisait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse et vous voulez voir après la suite. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et très bonne soirée à tous, en tout cas, et à la prochaine. Allez, ciao.